Bonjour à toutes et à tous. Bon, job. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Warcraft Adventure, où aujourd'hui on se retrouve un peu plus tard que d'habitude, puisque j'ai pas... Ah, voilà, on a fait des missions. J'ai pas encore eu le temps de réellement faire ces épisodes. Donc on se retrouve un petit peu plus tard que d'habitude. Oh merde. Voilà. Merde. Oh putain, nom de Dieu. Hop là. Ceci et ceci. Ok, bon. Alors, on est niveau 92. On se dirige vers le 93 gentiment. Lors des derniers épisodes, nous avions exploré... Nous avions exploré le passé sombre de Ner'zhul. Alors que là, ici, on a 500 ressources, ça c'est pas mal. Alors, je crois même que... Ah non, ouais. On a celui de couture, mais on n'a pas encore celui d'enchant. Ah, mais je peux faire ça. Voilà, ça c'est bien. Oh, mais tiens, j'ai des trucs de métier. Ah, mais oui. J'ai des trucs de métier à valider. Ok, la grange. Ça c'est bien. Alors la grange. Oh, ils vont nous demander d'aller tuer des bêtes. Faites un bon voyage. Ça va être bon pour ça va être bon pour ce qui est des ressources en fait. Ok, donc ça, ça doit être bâtiment enchante. Non, couture. Le bâtiment couture. Ok, à peu près le même... la même fonction que du côté de la horde, en fait. Hein. Voilà, bon. On a toujours une quête d'intro. Qui nous demande de faire une commande d'enchantement. Voilà, donc on va chez la bonne femme. Enfin, là, c'est un homme. Je voudrais passer une commande. Voilà, je fais une commande de blindé. Voilà. Première commande. Hop, je vais chez lui. Mais ça, c'est l'XP. L'XP. Alors, attendez, parce que... Voilà, ce sera mieux comme ça. J'ai l'impression de jouer trop rapproché. Voilà. Gna 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 gna. Voilà. XP gratos. À peu de choses près. Hein. XP gratos. Hop. Honneur au roi. Ma première commande de couture, gna gna, voilà. Comment allez-vous ? Hop, je te le rends. Ah oui, et forcément. Hop, je te la rends et tu me donnes 5 étoffes de Tramsar. Voilà, bon. Alors, bah ça nous fait déjà... Ah oui, mais tout ça ici, on peut déjà désenchanter. Bah oui. Alors ça je désenchante. Ça je désenchante. Ça je suis pas sûr de pouvoir. Non. Ça je dois encore attendre. Alors on a un cristal temporel. Ça c'est bien. Bon, bête piégée. Alors on va aller vite faire cette quête-là, la bête piégée. Histoire de... Ah, mais on doit trouver Ner'zhul encore. On a encore quelques chapitres à finir, donc. Ouais, ça va être des sabots fourchus ou un truc dans le genre. Elle est où cette quête? Putain, elle est loin, on y... L'avantage avec le bastion de la horde, c'est que on a de quoi farmer les pots juste à côté, quoi. Ça, c'est un avantage non négligeable. Alors, c'est sur des loups que je dois faire ça ?
merci. On va passer commande, on fera ça après quand on retournera au fief. Donc là ici on va aller chercher une Erzul. Et je pense que ça va être le triomphe de la lumière qu'on va faire. Ou la quête dans le genre. Oula. Ça va être une quête dans le genre de toute façon. De toute façon. Par contre le bois de la pénombre, je vois pas trop ce que je peux y faire encore. On en est où? On y arrive petit à petit. Je crois que je peux monter par là peut-être. J'espère que je peux passer par là. Apparemment, il n'y a pas l'air. Moins que ce soit dans le fond de la caverne. Ça, c'est possible aussi. J'ai pas l'impression que ce soit dans le fond de la caverne quand même. Même si je pense qu'on va pouvoir remonter. Il y a rien qui n'est une perte de temps du jeu. Je pense honnêtement qu'on va pouvoir remonter mais j'hésite un peu. J'espère parce que... Yep, c'est bon. Ce skill? Oh my god! Ce skill quoi. Bon. Alors, la chute de la lumière. Ouais, ça va être ça. Le triomphe de la lumière. Voilà. Tiens, tiens. Nerzul. Nerzul vaincu. Attention. 3. Attends. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, comment je lui mets sa misère à la à Gul'dan, à Nerzul. Grâce à leur pouvoir, les ombres lunes seront les plus grands conquérants. Il n'est pas trop tard. Renoncez à cette folie et laissez-nous vous aider. Les ombres ont déjà consumé mon arme. En fait, Nerzul, il n'est de ténèbres que la lumière la plus dissipée. Toujours en plein de charge.
Ouais, là par contre celui-là... Ner'zhul vaincu, yes! Regardez! L'étoile noire va vous submerger. La horde de fer vaincra! Et quiconque se dressera contre nous mourra. Eh ben, pour le coup, je m'attendais pas à... au sacrifice du prophète Velen, honnêtement. Donc voilà, nous avons le sacrifice de Velen, qui a probablement donné son statut de prophète à Irel. Le prophète Velen est mort, mais nous n'avons pas le temps de pleurer. Nous commémorons sa disparition quand la Horde de Fer aura fui ses collines. À présent, champion, il est temps de combattre. Faites attention à vous. Irel, le cristal de défense est brisé. La Horde de Fer a envahi Karabor. Il faudrait un miracle pour percer leur ligne. Si le temple tombe, son sacrifice n'aura servi à rien. Irel, tu n'es pas obligé de faire ça. Fuis et emmène les survivants avec toi. Non. Nous allons affronter la Horde de Fer. Je me battrai jusqu'au bout. Défenseur, vous êtes avec nous ? Bien sûr. La lutte continue. Alors, la Horde de Fer s'est abattue sur Karabor. Si nous n'agissons pas immédiatement, la ville sera perdue. L'exarque Akama y est piégé et ce qui reste de nos forces. Mais les sujets de votre fief sont toujours à l'intérieur du temple, attendant vos ordres. Venez à moi, sans tarder. Nous rejoindrons nos troupes sur le terrain. Avec les Naharu à nos côtés, nous reprendrons la ville dans un ultime assaut. Plus jamais ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Tiens, hein. Et ça c'est pour retourner. Boum. Boum. Allez, boum. Ouais, si tu veux. Putain, comment je leur mets des misères. Oh my god. Et c'est toi qui me guide, hein, mon gars. Moi, je ne fais rien, moi. Je ne fais que balancer les sorts, moi. Puis tantôt, je ne fais que balancer des sorts. Comment ils prennent trop cher? Oh my god. Jamais plus vos toujours en cours de recherche. Ne feront vaciller la lumière de Karabor. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Intensifiez l'attaque par la lumière des Naharu.
Et qu'est-ce que tu crois que je fais? Intensifier l'attaque. Il est drôle lui. Je fais que ça, je spam le sort, mais je dois intensifier l'attaque. Pff, j'en ai mal au bras pour vous dire. Allez, fais-nous avancer. Qu'on puisse enfin reprendre le temple. Nous avons fait tout notre possible là-haut. Nous avons repoussé leur principale force d'assaut. Allons retrouver nos troupes. Je veux que vous vous frayiez un chemin jusqu'au port. J'approcherai l'ennemi par le sud. Que la lumière des Naharu vous guide. Ce sort n'est pas encore prêt. Sait-on jamais? Alors, je dois aller vers le port. Ah mais d'accord, pour lui, je suis toujours là en fait. C'est bien. Alors que je suis à Karabor, mais... J'espère pouvoir marcher sur Karabor. Oh non. Ils ont commencé à brûler les forêts derrière le port. Enfin, derrière le temple. Allez. Alors, frayez-vous un chemin jusqu'aux portes arrière et terrassez Amok le brûleur. Nos murs sont infranchissables. À présent, nous détruisons ces orques une bonne fois pour toutes. Protégez Karabor de la Horde de Fer. À l'extrémité de la cour nord se trouve Arnok le brûleur. Il garde l'entrée du port situé derrière Karabor, où le gros de l'armée de la Horde de Fer attend. Quand nous lui aurons réglé son compte, nous devrons nous occuper du commandant Vorka, le chef de la Horde de Fer. Bon. Installez tout ce qu'il reste de nos troupes. Nous allons rester ici et garder les portes du temple. C'est bien. Wow. Ouais, donc en gros je dois combattre comme ça jusque... Jusqu'à la fin des temps quoi. Et alors on est à 86%. Oula. Yep. Ça c'est good. Aïe. Arnok le brûleur, tu n'es plus. Alors oui mais je dois... C'est où que je vais me faire... Ah ouais c'est là-dedans, ok. Je n'ai rien dit. Allez les gars. On les démonte. Et nous arrêtons là pour cet épisode.
Prenez soin de vous, amis Blizzardiens. N'oubliez pas de faire les geeks, c'est très important. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit j'aime et de vous abonner. C'est toujours le plus important. Salut à tous.